IDEC, touché par le dynamisme et le courage de M. René et son équipe, dont on ne peut pas ignorer la présence de l'ingénieur Tengué et M. Joseph Jean-Charles Bigot, pour le bon travail réalisé dans notre communauté, nous, les membres de cette organisation, face à ce constat, nous tenons à nous remercier grandement pour tous vos efforts multipliés au profit des personnes victimes lors du passage du séisme dans le département du Sud et notamment à Cavaille. Mes chers amis supporters, la communauté cavaillonnaise, plus spécialement ceux de Boileau, Bédo, Christine, Bercy et sans oublier Grand Place qui est au cœur de votre organisation, sont très reconnaissants pour ce grand geste d'amour. Et nous ne cessons jamais de prier pour vous et pour votre organisation que le Tout-Puissant puisse vous protéger, qu'il vous garde et vous comble de ses riches bénédictions. Alors bien que nous avons l'occasion, mes frères et sœurs, département, la prenez un moment tragique, bien que nous ayons une nouvelle qui font diminuer de grand jour. Mais hier après-midi, nous avons un ancien sénateur, nous dans le sud, la Vermisrette, monsieur assassiné. Monsieur mourut brûlé avec tout chauffeur à Bourdon. Avec mes côtés bagarre après aller, je dis, hein, si ce n'est pas moi, c'est l'autre. Nous regrettons que un combattant comme ça, un grand professeur, directeur de l'école, et si nous battons dans le sud, busquette d'eau payée pour presque 5 centimes l'école dans le sud. Bon, un vaillant homme s'est tombé, mais quand bien même, faut le faire surface. Et la ceux qui ont gagné fanatique, monsieur là, et pour les politiques, dans nos moins, dans nos comités de l'église, dans nos associations, nous présenter nos sincères condoléances aux familles et amis et alliés affectés par ce deuil, par ce départ. Mes professeurs, nous, là matin, dans une occasion spéciale. Le Seigneur dit dans la parole, nous avons besoin d'offrir vos taureaux, offrir vos béliers, offrir tout ce qu'on a offrir. Seulement dans ça qu'il fait pour vous, et juste réclamer un petit calme de connaissance. Pour dire, mais, dire merci. Et nous voyons dire son grand jour que lié pour nous. L'idée de fête dimanche, cap tout proche, bon, date anniversaire de l'Olympique la même, 14 août. 14 août dimanche appelle combien? Un an. Et si nous appelons jeudi, c'est pour éviter la frustration. Et nous avons un ingénieur technique qui est promoteur mouvement. Nous avons eu nous dire. Mais dès qu'il y a ce que dit pasteur là, il faut que moi là, pour nous dire merci à Dieu avec l'équipe Cavaillon. Et M. René, qui c'est, on dit, boss mouvement avec l'équipe Li. Et hier soir, de Pétionville, dans le gros blocus, passé par là, pour y aller, c'était capable de arriver. Et le rivière Grissier, bien tard hier soir, il dit, pasteur, désolé, matin, la pour venir ici dans l'occasion ça.
On nous donne un gros applaudissement pour monsieur David. On nous donne un gros applaudissement pour le Seigneur. On nous donne un agenda 18 familles qui bénéficiaient projet ça dans le sud. Et faut que moi dis nous shelter yo nous ca reparaître petit, mais ce sont des cas qui résistants même au vent et dans le monétaire. Par contre, nous gagnons deux cailles qui mettent Pustine. Nous gagnons trois bois, le plus deux fait cinq. Nous gagnons deux Bercy. Nous gagnons trois Médos, plus deux, une grandier, une monnaie fait cinq. Nous gagnons cinq grandes places. Ça fait 18 familles qui bénéficient du projet ça. Nous pas arrêter inaperçu pour ne pas dire que merci à toute équipe monsieur Renéo, pour ne pas dire merci à pasteur Tess qui t'a fait coordination de ben jouer avec équipe là. Et nous voyons que mon Dieu dans amour li dans grâce li la continue de verser bénédiction sur l'équipe là. Content pour nous là avec vous matin et c'est dans une occasion très spéciale. Après séisme 14 août là, nous mettons dans visite pour nous garder qui ça a passé. Mais l'un des temps d'information baradaire, c'est côté qui plus crasé et zone Cavaillon, eh bien, nous avons commencé à aller d'abord passer quitter Cavaillon pour aller Baradère. Et l'arrivée Baradère, ça a été remarqué, c'est que sous chaque 10 cailles qui gagnent, il y a environ 9 qui endommagent que le monde n'a pas habité là-dedans. Et nous avons commencé à faire distribution massive de nourriture pour nous être capables d'aider les gens à sortir dans le premier temps. Et finalement, nous camper question manger pour nous être capable de rentrer dans ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est pas, c'est vrai, c'est que nous sommes prêts dans le temps. Mais prêts là, pas capable de résoudre le problème. Non. Parce que prêts là, la journée est bonne chaleur et le soir, il pousse au frais du. Ça veut dire que vous êtes malade, des gens qui sont malades avec elle. Des gens qui ont fait en prêts là et barrage ont fait en prêts là. Donc ce n'est pas une vie qui est normale. Nous sommes arrivés dans une condition où nous dit qu'il faut que rapidement nous commencions à voir qui ça nous a fait pour la communauté. Et finalement, en parlant avec Hope Force International, nous venons joindre Jacques, qui est board et Hope Force International, avec René Laco. Nous travaillons ensemble et nous demandons qui ça nous a besoin. Et nous demandons qui ça nous a besoin. Effectivement, nous te présenté dossier. Hein? Nous dit c'est vrai, nous avons besoin de prier là, c'est vrai, nous avons besoin de manger, mais le plus important, c'est que nous avons besoin de shelter. Mais si tout le monde travaille, si le gouvernement travaille, si toute l'autre organisation travaille, si toute l'autre organisation mette au bon côté l'église communautaire, si toute l'autre organisation mette au bon côté l'église locale, pour ne pas faire trop plongaillé. Ça t'a pris pile projet dans une grosse communauté côté qui gagne pile besoin. Mais seulement on a demandé pour accueillir ça nous faire. Ça nous faire. Matériel que nous utilisons, c'est matériel traité. Ça veut dire les bois traités, plywood traité. C'est vrai, nous n'avons pas fait un gros travail. Mais l'espace nous bat où il est capable de durée de vie parce que c'est des bois traités qui coûtent très cher. Et si je ne me pas trompé, chaque matériel ça ouais qui vient là, chaque shelter ouais campé là, lui coûte environ $4,600. Not $4,600 for each one. Just for the material. Seulement pour le matériel. Seulement pour matériel, yo, sans les transports.
sans sable et l'autre matériel utilisé, seulement bois, plywood, tôle et porte, yo coûté $4,600. C'est avec Pasteur Tess qui m'a donné contact avec Pasteur Célares, avec Pasteur Jétro Alexandre, notre pasteur, Pasteur Dieufen, M. Gary. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense que c'est presque tout. Tous ces pasteurs et d'autres membres de leur église collaboraient ensemble. Ce n'était pas Hope For seulement qui fait ce travail. Ce n'est pas seulement Ingénieur Tengue qui fait ce travail. Ce n'était pas seulement notre équipe avec M. Joseph Chanchal, avec le chauffeur qui transporte tout, M. Néné. Et, oh oui, il est là pour faire photo, M. Ironi. Et les autres boss de cette équipe, boss maçon, boss carpentier, des ouvriers, et eux-mêmes aussi des bénéficiaires, fouillés, fondation, paille, l'eau, parfois ramasser roches, fait travail aussi pour eux-mêmes, pour une famille. Et très content avec cette collaboration, avec cet accueil aujourd'hui pour comme faire une célébration, en fait, pour remercier Dieu, parce que c'est à cause de lui tout ça est possible. Et aussi pas oublier, parce que un cahier complet avec tout le travail, ça va augmenter plus que $650 américains, avec tout. Et comme ça, c'est pas possible sans des sponsors, sans des voyeurs de fonds. Parfois un individu, parfois une église, parfois un groupe, une organisation qui ont donné cet argent pour cette COP, pour construire sa maison. Donc à part de 18 ici à Cavaillon, dans cette zone-là, on fait aussi à Baradère et à Port-Salut. 34 en total pour le moment. Et on prie à Dieu, si c'est possible, si Dieu veut, pour continuer le travail. On ne connaît pas. C'est presque un an. Aujourd'hui, c'est le 6 ou le 7? Le 7. Donc dans une semaine. Dimanche prochain, ça sera déjà un an exact depuis le tremblement de terre. Donc bon courage, continuez, collaborer ensemble, continuez, servir Dieu et servir communauté. Merci beaucoup. Travail ça, les doit toujours continuer, avancer et avec une équipe qui est dynamique, une équipe qui est vraiment solide pour nous capables d'arriver dans la localité où. Cela veut dire que nous sommes capables de Kembela et dans un certain temps, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire que Shelter ça est trop petit ou bien il manque d'espace dans la zone de la caille moins, nous avons fait des chambres avec eux. Cela veut dire que vous êtes capable de continuer le travail si vous gagnez et moins ça et vous êtes capable de travailler pour venir gagner puis plus. Je demande à M. René capable d'avancer avec M. Teng, accompagné par Pasteur Célares, capable d'avancer. Communauté évangélique de Grand Place, Cavaillon, honneur et mérite décerné à l'organisation Hope For International pour son œuvre de bienfaisance et son accompagnement social, humanitaire et logistique dans la commune de Cavaillon, particulièrement à Grand Place. Fête à Grand Place, le 7 août 2021. On applaudit, s'il vous plaît.